On est sur les hauteurs de Risoul et on se dirige vers le point d'arrivée du télésiège de l'homme de pierre, d'où le nom du belvédère. On a déjà un joli point de vue avec la crête de Razis, les pics de la Fonsanque, la pointe de la Saume. Et donc là on domine la ville de Risoul, puis une roche brune au fond, et ensuite le haut brouillard. Et les écrins, ici le Pelvoux, le glacier blanc et les agneaux, superbe. Notre objectif du jour est ici, à l'antenne. Les pics de Chabrière et de Saint-André, et le lac de Serponçon qui est un peu dans la brume. Voilà, on y est, et voilà le panorama de ce belvédère. Les mélèzes se parent de couleurs magnifiques. Là, au cairn, on a également un belvédère intéressant qui permet d'apercevoir les mortices. Au retour, c'est un superbe parcours de crête avec des vues bien dégagées sur les écrins et le terrasse. Retour sur Risoul, c'était une randonnée aux couleurs de l'automne bien agréable.